Vois-tu, on est arrivé au train et il y a une tempête. Le vent souffle en Arizona. Je suis arrivé. Allez, allez, rentre. Arthur, je suis en ligne avec Damir. Assieds-toi, j'arrive tout de suite. Quelle tempête. Et c'est rien que du sac. Très bien. Alors, on avait récupéré les plans. Terminé. Je te les ai trouvés. Bien joué, Artyom. Un peu papa. Bonne nouvelle. Artyom a trouvé les cartes. Bravo, super. Idiot, commence à regarder. Oui, Anna. Je te rejoins plus tard. Il y a beaucoup de données. Ouais, un coup. Plus vite on les analysera, mieux ce sera. On a les cartes. Maintenant, on doit trouver un moyen de quitter cet endroit. Et ce sera pas le plus simple. Comme tu le vois, il nous faut de l'eau pour l'Aurora et l'équipage. Stéphane, Duke et Alyosha souffrent déjà de déshydratation. Ah, il nous faut aussi du carburant. Les bandits du coin ont les deux. J'ai déjà contacté leur prétendu baron. Mais ces conditions sont... inacceptables. Yul nous a dit où y récupérer l'eau. Mais évidemment, le puits est bien gardé. Damir s'est rendu sur place. Il pense qu'on peut infiltrer les lieux discrètement. Ah. Donc, Artyom, dès que t'es prêt, tu pars retrouver Damir. Vous devrez récupérer de l'eau pour l'Aurora. L'échec n'est pas une option. Oui, bon papa. Chef. Bonne chance, chef, Artyom. Chef, bon papa. Nous comptons tous sur toi. Ouais, bah oui, j'ai bien compris, hein. Crest, que dit la météo? Grand-père Yermak, il te reste plus d'eau du tout? Terminé. Je vais retourner à mon poste. Parfait. Oncle Artyom, c'est pour Artyom, moi? Viens voir. Waouh, merci. Le lot. Regarde, grand-père Yermak, j'ai ma propre gourde maintenant. Ouais, maintenant il faudrait de l'eau dedans, hein. Mais, Bien. Alors on va aller demander un peu d'eau. Et tu auras ta réserve personnelle. Artyom! Pendant que t'étais sorti, j'ai mis au point une bricole de plus pour le Tikar. Ah. L'établi est tout à toi. Merci. Alors, t'as essayé les nouvelles munitions? Elles sont géniales, hein? Non, je sais pas si c'est mal. Mais j'avoue que l'explosion est assez forte. Ah, je me sens un peu patraque sous le soleil. J'ai connu des jours meilleurs. Alors, il nous a trouvé une autre option pour celui-là, qui est... Ça avance, idiot. Voyons. Ouais, ça se regonfle automatiquement. On a alors, pas fait le voyage pour rien. Voilà, malheureusement, ça c'est, voilà, c'est silencieux, mais c'est létal. On dirait bien. Les niveaux de radiation sont indiqués en couleur. Il y a même l'évolution des niveaux de radiation. Quoi? Comment ça? Ah ça oui. De camp. D'accord. C'est la carte. Ils sont en train d'étudier la carte que j'avais. Ta carte blanche. Toujours pas d'eau. La situation est critique. Artyom. Merci d'être passé voir les gars. On pourra même plus combattre les chasseurs. Je me sens complètement impuissante et c'est dur. Les bandits. Stéphane a toujours détesté la chaleur, mais là, sans eau, il n'a pas dit un seul mot depuis son malaise. Alyosha et Duke sont alités aussi. Ah, je vois ça. Ils ont juste besoin d'eau et je ne peux rien faire pour eux. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais quand je les regarde, j'ai mal pour eux. Ouais, et moi. Essaye de trouver une solution, d'accord, Artyom? Je t'en prie. Ouais, ils comptent tous sur moi, et ouais, voilà, hein. Et Lou me faut. Même si je m'en sors pas si mal au bout du compte. Si seulement il pouvait pleuvoir. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais où est Anna? Vous êtes bien. Ouais, c'est bien beau votre vie. Où est ma fond? Bon, je suppose qu'on a nos prochains objectifs. Et vu qu'on a fait tout le secondaire, super, faut retourner exactement là où on était. On va essayer de repasser par le véhicule, on sait jamais, il s'est peut-être débugué. Vu qu'on a fait tous les objectifs annexes, on va peut-être pouvoir faire que de la mission principale. Grave, ils tombent tous sur moi. Ah bah oui, non mais ça... Déjà, dans la plupart des jeux vidéo, hein, vous savez, vous êtes le Jésus, le héros, le... Hein, le Édouard Balladur, vous choisissez votre terme. Mais... Il n'y a que nous, hein, bien sûr, qui peuvent, qui pouvons réussir la mission. Pourquoi je suis venu ici, moi? Pour trouver une arme. D'accord. Moi, je voulais trouver un raccourci, mais voilà.
Je suis en train de faire un super détour, c'est ça? Alors techniquement, si on va jusqu'au véhicule, non, ça passe. Est-ce que on peut pas contacter par radio, s'il vous plaît? Petite Anna. Non, par contre, j'ai vraiment peur à ce qu'a dit le médecin cannibale là tout à l'heure, enfin tout à l'heure, précédente session, qui disait je vais regarder toute cette dame, ça m'inquiète. Et c'est vrai qu'elle arrête pas de tousser. Vous croyez qu'ils vont encore me tirer dessus? Alors j'épargne toutes les personnes, un peu le baron là, mais ça peut être aussi ultra frustrant. Et ça, c'est ce qui nous est arrivé dans les précédents jeux, c'est de faire beaucoup de bonnes actions et que ça ne suffit pas pour avoir la bonne fin. Enfin, la meilleure fin. Donc là, on verra. De toute façon, tout le jeu est basé là-dessus, hein, sur cette envie d'avoir la bonne fin, mais très compliqué à obtenir. Alors, est-ce que lui, ça va mieux ? L'accélérateur est bloqué et le frein aussi ne marche plus, donc voilà. Donc bon, bah il est mort, je vais pas m'arrêter quoi. Enfin, entrée discrète. Hein. Ils n'ont pas qu'à mettre leur corps et devant. Là. Je crois qu'on va s'arrêter là quand même. On va profiter de la tempête pour s'infiltrer, c'est parfait ça. Par contre, ils ont rajouté le fait que les armes peuvent s'enrayer, et ça, je trouve ça cool. Ça rajoute un peu de tension potentielle à ce qui peut nous arriver, c'est-à-dire on espère tirer, et puis là... Hey,
Comment s'en sort l'équipage sans eau? Bah, pas très bien. Pendant ton absence, j'ai fait un peu d'exploration. Nice. Ouh. Bien installé, lui. Comme tu t'en doutes, on se dirige vers la source par la porte derrière. D'après Gyul, beaucoup de monde vivait dans ces grottes. C'était une vraie ville, mais quand les geysers ont explosé, ils ont tous dû s'enfuir. Allons-y! Les ponts doivent être tous morts maintenant. On va grimper un peu plus haut pour mieux voir. La grotte ne mène nulle part. Eh, c'est lui qui ouvrira le feu, hein. Moi, je le suis pour l'instant. J'ai vu une personne allongée, j'ai eu peur que ça soit Anna. Oh, de l'eau, non? Ah non. Waouh! Ça fait un de ces boucans! On va peut-être avoir de l'action, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Saleté de bestiole! Echo! Eh, dis donc, c'est des Batman en puissance. Ouais, cet endroit est dévasté. Au début, j'avais l'espoir de trouver quelque chose sur mon peuple, voire ma famille, mais... Maintenant, je sais. Et ça fait mal. Echo! Ça fait mal! Doucement, doucement... Oh, je le sens mal. Je sens qu'il va m'arriver une... Non, c'est bon. Ce coup-ci, c'est pas la chute. C'est bon, c'est pas la chute. Log gagne un niveau. Merci à toi pour le follow. Prépare-toi, Artyom. Ouais. Charge la lampe, vérifie les filtres et ton équipement. J'ai ce sentiment... C'est un peu perturbant. Ah, au diable les sentiments. Allez, on se dépêche un peu. Je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Et il va se passer quelque chose qui fait que je vais me retrouver encore tout seul? Non! Incroyable. Ah! Oui! Oh non, pas les araignées. Je vois rien du tout! Pas les araignées, s'il vous plaît. Super, masque à gaz. Une seconde. Mets ton masque. Oui, bah, merci. Je l'ai devancé quand même. Et voilà. Et là, on voit à la monstre, à ma montre, le temps qui me reste de filtre. Nous avons dû vivre à la dure pendant un sacré bout de temps. Si seulement on était venus plus tôt. Comme le chien de Mickey? Faut que j'arrête avec cette blague. Merde, un éboulement. On a de la chance, on reste quand même de l'espace. Allez, accélère. On va prendre ça. C'est fini après. Par contre. Mais arrête de me pousser! Combien de gens vivaient ici? C'est impressionnant! Impressionnant! Essayons de faire le tour. J'en fabrique alors qu'il y en a devant moi. Abrutix. Ah, merde, c'est brûlant. Oh,
Oh, y a pas besoin de la torche. Hein. Ouais, moi aussi, ouais. Ah bah bien sûr, et puis en plus, le filtre exactement au même instant, c'est vrai que c'est génial. Je crois que j'ai bien fait de sortir là. On les a touchés. Allez, on continue. Y'a pas des filtres, lui. Ah, le fusil à pompe, je crois que c'était plutôt une bonne idée de le... Oh oh. Ça bouge par là. Oh, merde. Ils sont combien là-dedans? Bah toi, passe devant. Viens. Faut que j'apprenne à viser. Non, on charge. Ah, je me fais... Non, mais c'est derrière que ça me... D'accord. Il est où, copain? Ne lâche pas! Ça y est, on les a eus! Maintenant, on traverse le pont et on va. Oh, le temps que sa mère chargée, par contre, c'est. Je crois qu'on approche de la sortie! Mais arrête de me pousser! Oh, il est gentil, hein, pas? Il est gentil, hein? Il est un peu con. Le passage vers la source! On y va! Un autre éboulement. Bon, le fusil à pompe, 6 munitions, c'est... Hein? Mon filtre est bientôt mort. Ah. Regarde, de la lumière. Là. Oui, regarde, c'est une lumière verte. Tu veux jouer comme les chats avec? Bon, ça semble respirable. Enlève ton masque. Toi d'abord. On va devoir ramper maintenant. Je vais dire les femmes et les chauves d'abord, mais quelqu'un va me faire une réflexion. Ils exécutent tous les ordres des pétroliers. Donc, essayons d'y aller en douceur, sans effusion de sang. Les esclaves sont innocents. Sans effusion de sang. Ah. Regarde, de l'eau. Sans effusion de sang. Quoi, quoi, camion. La porte est contrôlée depuis cette tour. Dès que tu ouvriras, je foncerai avec le camion. Je foncerai avec le camion et tu sauteras sur la citerne. Bonne chance. Et on sente de tuer que les pétroliers, d'accord? Et je fais ça comment? On les entend plus, prends exemple. J'aime bien ça. Ok.
Voilà, c'est ça qu'on attendait. Ok, on n'est pas visible ici, donc si je l'assomme, ça devrait le faire. Pourquoi ils nous ont collés ici? Ils veulent plus de pertes ou quoi? Qu'est-ce qui m'emmerde avec leur lumière? On est en plein jour, vous pensez aux économies d'électricité là? À tes souhaits. Et il me voit toujours, hein, c'est... C'est le jour, c'est la nuit, c'est le jour, donc c'est normal qu'il me voit encore. Je pense que de nuit, ça aurait été pas mal cette mission. Hein. Tiens, il n'y a pas un petit lit pour faire petit dodo pendant que notre ami attend à côté du camion citerne. Parce que visiblement, ça dérange personne qu'Artyom fasse la sieste en plein assaut. Après tout, tout le monde compte sur lui, donc tout le monde va l'attendre. Oula! Ça fait beaucoup de lumière, ça. Je suis obligé de garder l'arme sortie pour voir la lumière en fait, si il me repère ou pas. Ah putain, il est comme notre président. Allez tous au boulot, je vous ai à l'œil, travaillez plus pour... voilà. C'est notre président. Alors lui, il va me poser problème assez rapidement. Et merde. Et j'ai pas sauvegardé depuis un moment. Ça a l'air d'être ok. On va faire la sauvegarde maintenant. Merde, j'ai allumé les lumières au lieu de l'éteindre. Comment je vais faire pour monter? On sort, on l'assomme. Pour l'instant, j'ai tué personne. Hein. Si, les chiens. J'ai tué les chiens. Ouh!
Mais laissez-moi lutter, messieurs. Oh, il les a tués, c'est pas moi. Non, mais... Oh. Oui. Artyom qui sort comme ça, hein, tout va bien. Attends, je fais mes courses. Voilà, ça va être fin de l'alerte là. Non, c'est bon. Oh, c'est ignoble. C'est immonde ce que je vous propose comme gameplay. Ouvre la porte. Je vais rentrer avec la voiture. Attends, je loot. Ah bah les chiens, par contre, désolé. Les chiens, j'ai pas encore compris comment les faire en toute discrétion. Tant pis pour la discrétion. Moi, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Bah non, enfin, y'a que toi qui as tué. Regarde comment ils sont effrayés. Ils vont nous voir. Ils vont devenir les esclaves maintenant. Où est-ce qu'ils vont aller? Ah, ça veut dire que si lui... Ah, si... Ah, j'ai presque envie de recharger en fait. Elle est où la pompe? J'ai déjà vérifié la voiture, tout est en ordre. On a assez de carburant pour retourner à l'Aurora. Fallait aller où? Allez! Ils ont dû envoyer des renforts! Fallait que je vienne jusqu'où? Là? Ouais, il y a des flèches. Là? Là. Ah, c'était ça, d'accord. Ah si, c'est bon, c'est lumineux. Yes. C'est lui qui a tué, c'est pas moi. Voilà. Bien visé. Meilleur Uber du monde. Ça y est, on les a enfin semés. Bah normal, ils sont tous KO. Voilà. Le moteur il fait un peu de bruit, hein. Par contre, qu'est-ce qui arrive à Artyom? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive du coup à Artyom? Et où est Anna? What the f... Prête! Dispersion! Et personne, voilà. Alors, ils ont tous besoin de moi, mais personne ne me réveille quand on a besoin de se faire couler le cul. Papa, bon papa. Saloperie, tempête de sable. Alors là, je crois qu'il n'y a plus de pacifiste qui tient. Hein. Ah, rechargeons. Là, c'est la guerre. C'est enrayé, bah voilà, je parlais de ça. Et... Bah, c'est encore enrayé. C'est la guerre, mon général. Bonjour.
17h26, on se bourre le pied. What? En vrai, c'était bien vu de... Fallait aller, je crois. Ok. Et c'est là qu'on voit que quand il s'agit de faire de l'action continue, le nombre de balles et le temps de rechargement est assez problématique. Et là, je dois vous avouer que c'est pas trop de l'infiltration. Shooter par où? Par qui? Pourquoi? Oh, je m'en suis pris une belle là. Je pense que je m'étais pris deux balles et là, je sais pas s'il y a la localisation des dégâts sur Artyom. En tout cas, celle-ci elle a fait mal. Celle-là. Oula. Bon, vite. Voilà, merci. Oh, j'ai plus de soins. J'ai plus de soins. Je voulais me soigner, c'est terrible. Ok, on va y aller, grenade. On va se fabriquer des soins avant. Et il y a moyen. Pompe molotov. Voilà. C'est. Les mécaniques, voilà. Ça va revenir. Allez. Oh, ouais, je construis là. Ça dérange personne. Hein. Ouais, puis j'ai mis un fusil à pompe, on sait jamais. Hein, ça peut servir. Chargeur, c'est formidable tout ça. Onze munitions, c'est tout pas beau ça.
c'est lui qui fait chier. C'est lui qui a une mitrailleuse Karma là. J'essaie d'avoir son casque hein, mais c'est pas facile hein. C'est bon ? On va essayer un peu mieux là. Mission là ? On respire hein. Oh non ! Cessez le feu ! Bah, ça fait un moment que j'avais arrêté de tirer, mon papa. Attends, mon papa, je loot. J'arrive. Parce qu'ils étaient peut-être bien équipés, les coquins. Partie chiante, hein, partie looting. Ah, attendez, un nouvel équipement. Ça valait le coup, c'est Wars quand même. On regrette aussi peut-être juste qu'il y ait aussi cette phase un petit peu de... Mais non, mais arrête d'inverser les armes. Le looting à faire de composants. En fait, si on pouvait ne serait-ce que juste faire E sur les armes, et E enfoncer pour intervertir les armes. Tandis que là, je suis obligé de faire R, donc ça m'oblige un petit peu à changer de bouton. Alors que si on pouvait spammer E en permanence, et que quand on voit quelque chose d'intéressant, appuyer sur E... Voilà, pas comme ça. Ça serait mieux. Ça va, toi? Alors là, il n'y a plus personne d'alité. Tout va bien, quoi. Vous avez fait du sacré bon boulot. C'est dingue de se réjouir autant pour de l'eau. Mais j'avoue que j'apprécie ce goût de rouille au petit matin. C'est le goût de... la victoire. C'est moi qui ai une queue de cheval. Les pauvres, on les a mis en miettes. C'est encore faisable pour toi aussi, t'en fais pas. Ah, il y en a un là. Formidable. Bon bah du coup, la suite dans la prochaine vidéo YouTube. Des bisous.